Ouais, Bandai Namco, ouais. Ah, faut que je change la catégorie. Alors, je vais faire ça de suite. Voilà. C'est fait. Normalement, c'est bon. Allez, Pac-Man 99. Vous entendez bien le son ou pas? Oui, ça a l'air d'aller. Donc, même principe, hein. 99 joueurs, mais sur du Pac-Man. Et c'est un peu plus vif et dynamique encore que Tetris. Avec une strat plus pointue, je trouve. C'est. J'ai pas rejoué depuis le dernier stream Pac-Man 99. Donc, on va voir si je sais encore jouer. Suspense. Où suis-je? En plein milieu. On va choisir KO et train. Tac, on va aller les chercher directement. Vite! Ok, c'est bon, ça passe. Vite, vite, vite. Ok. On voit rien à l'écran. C'est normal. C'est du Pac-Man. Non, pas le ralentissement. Déjà, waouh, la pression. On va aller chercher le train. Voilà, le train des fantômes de Pac-Man est arrivé à l'heure. Ok, numéro 3. Le fruit, le fruit, le fruit, le fruit. Et ça va se compliqué dans pas longtemps. Il faut réunir. Voilà, là on commence à voir apparaître des, vous voyez les trucs blancs qui me ralentissent, ce sont des Pac-Man ennemis. En gros c'est ça, ça c'est le train des fantômes qu'on me renvoie ensuite, que moi j'envoie mais qu'on me renvoie aussi ensuite. Mais il y en a aussi des rouges. Et ces rouges là, en fait, eh bien, je ne peux pas m'en occuper pour le moment. Et en plus, ils se déplacent. Je peux les ralentir. Voilà, mais je les fais disparaître uniquement. J'ai perdu. Mais je les fais disparaître uniquement en, avec le réunis de la grille. Donc c'est hyper difficile. 31. Non, si, 31. 31. C'est pas mal, 31. Et là, je peux pas vous commenter quoi que ce soit parce que c'est un foutoir, ce présentoir là, justement. C'est hyper difficile à commenter là. Allez, on y retourne. Ah, il y avait un ordi. Ça m'étonne ça pour un 99, il y avait un ordi. Bizarre. Donc, Pac-Man 99 est gratuit aussi. Mais il n'y a pas de Season Pass. Par contre, on peut acheter le reste du jeu, donc tous les autres modes de jeu. Mais là, c'est un peu comme Tetris 99, à l'origine il est gratuit. Bon, pour les abonnés, abonnés Nintendo Switch Online. Néanmoins, on a accès à très peu de modes de jeu. Mais si on l'achète, avec tous les autres modes de jeu, c'est un jeu complet. En fait. Tetris 99 qui donc, a une version cartouche,
Et je vais supposer que Pac-Man 99, qui est exactement sur le même principe et le même principe de moyens financiers, vu qu'il n'y a pas de season pass ou pas de boutique ou quoi que ce soit, c'est juste un truc à acheter pour avoir son jeu, je vais supposer qu'un jour, peut-être, une version cartouche existera. Contrairement au mode Battle Royale de Bomberman. Voilà, 200, ça clignote trop. Voilà. Est-ce que j'ai le temps? Non. Vite, Lurinite! Voilà. Oh là, je suis poursuivi! Le fantôme, ou le train fantôme. Oh mon dieu, je viens de comprendre. Le train pour les fantômes, le train fantôme, mais oui, je viens de comprendre. Oh là là, la honte. Il y a des heures de jeu dessus, je viens de comprendre le train fantôme, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas appuyer sur ma manette, c'est tout. Où suis-je? Ok. Elle est top 50. On pourrait les attraper. Non! J'ai foncé dans le rose! Je l'ai pas vu! J'ai pas vu le rose arriver! J'ai foncé dedans! Oh là là, je l'ai pas vu du tout! Ah, les boules! Oh là là! Oh là là, la décadence! On va y aller. Perdu, je suis handicapé. Ok, je me suis fait prendre en tenaille par trois fantômes. Mais c'est pas grave, le top 50 est passé, je crois. Ouais, ah, de justesse, c'est 49. De justesse.
Pourquoi il fait soleil? Un grand soleil qui vient de tomber là, je crois qu'on peut. Oh, j'en ai raté. Ouf. Le rose a de nouveau failli m'attraper. Il est là. Il a un rose. Non! Je me suis planté. Je me suis complètement planté. J'ai fait une énorme bêtise. Oh là là. C'est pas grave. 50, tout pile. Allez, c'est parti. On va changer de stratégie un petit peu. On va mettre chasseur. Le train, on le garde, mais chasseur, on va le mettre. Ah, il remonte. Concentré, je suis désolé. Non! Je voulais faire demi-tour, j'avais pas vu le cyan. Oh, flûte! Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a que du top 50 jusqu'à présent. Pour aujourd'hui. Ce qui est plutôt bon. Enfin, pour moi. Je sais plus mon record combien c'est top combien sur Pac-Man. Top 7, il me semble. Top 8, top 7.
me fixe pas de refaire cet objectif-là, mais si j'y arrive, franchement, je vais pas dire non. Hein. Mais déjà, dire qu'à chaque fois on dépasse le top 50, c'est chouette. Il n'y a pas les petits points. Directement attendu le porc, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, le petit fantôme. D'où le fruit? Rendez-nous le fruit. Ah, quand même. Top 50. Je les entends mieux sur Pac-Man une fois qu'on arrive à 50. Par rapport à Tetris. Non! Oh! C'est pas grave. J'aurais dû tourner en fait. J'aurais dû tourner. J'ai pas tourné, j'aurais dû tourner. J'ai failli faire une bêtise là. Je m'en serais pas remis, je pense. C'est tendu là. Petite course poursuite. Un fruit. J'ai besoin d'un fruit. Ok, c'est bon. Fruit, c'est ok.
J'ai vu le rouge arriver. C'est pas bon. Non ! Oh, la microseconde près. Bon, je prends un niveau, ça sert à rien à part avoir des icônes, c'est pas grave. Ah, je suis dégoûté. À la microseconde près, j'aurais dû assurer, j'ai pas assuré, bon, c'est pas grave. Je viens de me faire une frayeur. J'ai confondu un fantôme bleu français par un fantôme de couleur. J'ai pensé à un truc. Il pourrait très bien faire un mode 99 sur Dr Mario. C'est clairement le jeu s'y prête clairement. C'est pas vraiment du Tetris, Dr Mario, c'est encore plus spécifique que ça. Ou du Puyo. Puyo Puyo 99. Ça serait chouette. Le fruit. Vite. J'ai perdu. Ok, j'ai perdu. Autant faire Puyo. Bah ouais, voilà, tu vois, il y a quelqu'un. Après, ni Mario, c'est la licence derrière par rapport à Nintendo. Mais ouais, clairement, du Puyo. Il n'y a pas vraiment de Battle Royale, entre guillemets, de Puyo. Même s'il existe Puyo Puyo Championships e-sport édition, mais uniquement au Japon. En Europe, elle s'appelle autrement, cette version-là. Et elle n'existe pas en physique, absolument pas. Ou alors, faut l'importer. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait une version physique d'import. Par contre, un Puyo Puyo Tetris 99, là, le mix des deux en version 99, si ça existe un jour, ça sera une horreur. Ça va être un carnage dans les Battle Royale. Une horreur, non, ça serait super intéressant, mais en mode stratégique, c'est affreux. Ce serait que les hardcore players qui pourraient être bons dessus. Voilà, je sais pas si le temps passera. C'est bon, ça passe. Ouh! Le jaune! Non, orange plutôt. Jaune, c'est moi, c'est Pac-Man. Mais l'orange, il est pas passé. J'ai pas vu si ça a fait top 50. Là, je suis allé très vite. Je verrai ça sur le replay. Ah là là. Ready, go. Je vais repasser un KO. Je fais de la riposte plus tard. Un
Après, ça m'empêche pas de changer de technique pendant la bataille. Je prends tous les ralentissements. Je sais pas à quoi servent les médailles sur la droite. Est-ce que c'est juste des médailles? Est-ce que c'est le bonus des pouvoirs à utiliser? Je n'en sais rien. Vous avez la réponse. J'ai besoin d'un plus. Oui, c'est vrai. Oh, il y a du rouge. J'ai failli y aller dedans. Il y a du rouge. Attention au rouge. Ok, plus attention, plus attentif. Être encore plus attentif. Fuis, tout fuis. On enlève le rouge. J'ai failli me le prendre en face, celui-là. Heureusement que il était pas en mode vilain. Oui, le mode vilain est un mode hardcore gamer. Ça passe. Yes. J'ai besoin d'un fruit. Non, je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Mais c'est quoi cette triche? Je peux rien faire. C'est dégueulasse. Une médaille égale un KO. D'accord. Mais c'est complètement dégueulasse ce qui vient de se passer. Bon, 12e, c'est bien, mais... Mort par KO des rouges, quoi. Purée. C'est... Là, non, je... C'est vraiment, vraiment pas cool, là, ce qui vient de se passer dans le jeu. Je veux bien qu'il y ait un peu d'aléatoire sur l'apparition de certains malus, mais là, non. Là, clairement, c'est pas possible, c'est... Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis pas content, là. On y retourne. C'est à combien, 17h45? Ça fait à peu près à... Une demi-heure de... Ça sera à peu près une demi-heure de la VOD de Spacman. Dégueulasse. Je conteste. Vraiment, je vais porter réclamation. Je vais faire une requête maître de joueur chez Bandai Namco Pac-Man 99. Et je vais leur montrer. Vous voyez ça? C'est une honte. C'est honteux. Bandai Namco, vous n'avez pas honte? Je vais dire riposte. Hein. Allez, go. On se concentre. Surtout que c'était une super bonne partie, quoi. Lui, il est sorti de chez lui, il a attaqué direct. Je
Oh là, oh là, oh là, oh là, 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 là. C'est ma faute. Allez, on est en dessous du top 50 pour la première fois de cette session de Pac-Man 99 aujourd'hui. C'est pas grave. On n'a rien vu. Il en fallait bien une de toute façon. Il en fallait bien une. Cette fois-ci, j'ai tout vu. C'est difficile de le cacher là. Mais le coup d'avant, pas cool quoi. C'est vraiment pas cool. Les petits fruits, les petits fruits partout. Allez, top 50. Non, 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 non. C'est pas parce que t'es rouge que tu dois te prendre pour une fraise. Descendre pour monter. Ok. Oui. Ok, le fruit est là. Mais il va passer. C'est pas grave. La glace, elle... ouais, j'y ai pensé aussi, j'ai posé l'affaire. Bon, 28, ouais. Là c'était compliqué, là. La fin de cette partie était vraiment compliquée. Mais là, c'est justifié. Là, c'est clairement justifié. J'ai le temps de boire un coup. On va dire que oui. De l'eau. Pourtant hier dans ma gourde j'avais du jus de fruits, là il n'y a que de l'eau. Ma soeur qui m'a offert cette gourde d'ailleurs. Elle est super. Et équitable en plus. Fabrication équitable. Donc franchement, un grand merci à ma soeur pour la gourde. Je comptais m'en prendre une et au final elle m'a devancé. Je peux même l'accrocher sur le vélo et ça c'est super. Bref, je raconte ma life. Il y a un malus. Un malus pour moi. Un bonus, je cherche à le dire, mais c'est pas grave. Le fruit direct for init. Là. Voilà. J'ai vu passer le jaune. Je pense que j'étais pas loin de lui. C'est. Le radar. On va dire que j'ai eu de la chance, quoi. Thank you.
Oh, la panique. J'ai défoncé la croix directionnelle. Le fruit, on va pas réfléchir, le fruit direct. Allez. Je me sens pas bien sur cette partie, je sais pas pourquoi. Elle se passe mieux que d'autres, mais moins bien que d'autres. Non, il y avait le rouge. Complètement ma faute. J'assume complètement ma faute. C'est, j'assume. J'aurais dû. Oh là là. Complètement ma faute. Allez. Ça va le son du jeu, je le trouve. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu faible sur le stream. Je sais pas, je. Non. Parce que vu que j'ai tout cassé mon réglage son avec le grand stream d'hier, je réécouterai ça au pire. Je me mets un KO, tiens. Ça s'est passé à rien. Là, la capture de. Le mime du fantôme est passé à rien. J'aurais dû le manger. J'ai attendu, j'aurais dû le manger. Au rouge. Attention au rouge. Attention au rouge. Voilà. Là, je veux bien perdre comme ça, ça me dérange pas. Le niveau, je m'en fiche. Top 22. On y retourne. J'adore ce jeu. J'y jouerai pas 8 heures d'affilée, mais j'adore ce jeu quand même.
Allez, ça se prépare. Go. Oh mon dieu, aucune bille. Il y a déjà des KO ? On vient de commencer. On va prendre le fruit directement là. J'aime pas ne pas avoir de billes dans le tableau. Top 50. Wow, voilà la bêtise. Vite, vite, vite. Ah, j'ai failli faire une bêtise énorme. Arrêtez de me poursuivre. Allez. Ok, on va descendre. Il en reste un là-bas? Ouais, bon, on va clean. Je peux l'attraper ce train parce que bon, c'est pas qu'il y a un peu beaucoup de choses à manger dedans. Mais on fait pas de gaspillage, on gaspille pas la manger. Oh mon dieu. Oh, le fruit, il me faut du fruit là. Nickel. Non, le bleu. Combien? 10. Dixième. Dixième. Dommage. C'est vraiment dommage, j'aurais dû prêter attention un peu plus au mouvement des fantômes. Et en même temps, il y avait tellement de malus rouges que c'était compliqué de regarder sur les trucs. Je ne sais pas. Thank you.
s'est passé à rien là aussi. Il se serait retourné ici. Un peu ambitieux ça. Allez, l'apparition des malus rouges. Faire gaffe aux malus rouges. Mais malus rouges, ils bougent de partout et c'est fini. Tellement satisfaisante des grandes chaînes. Ouais, j'adore. J'essaye de les cumuler à chaque fois. Il y a eu une fois, j'ai réussi à faire une chaîne de 100. J'ai jamais réussi à la reproduire depuis. J'ai serré les fesses comme Jaja. Non, pop pop. Je l'ai vu apparaître le rouge. Je l'ai vu apparaître. On fait attention. Arrêtez les rouges, ça suffit là. Ok, oh, oui. Merci. Ils viennent quand même. Ok. Il y a le fruit direct. Ok. C'est pas grave. C'était bien sympa comme partie. C'est pas grave. Combien ? 11. 11e. Allez, je viens de voir l'heure. On part sur une dernière quand même.
Vraiment une dernière parce que le jeu est... Il est bien. Parce que le jeu il est bien. Il faudrait que j'arrête de taper sur la table parce que sinon ça fait... Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Et sinon ça fait du bruit dans le micro. GG. Ouais, merci. J'adore vraiment ce jeu. Plus que Tetris 99. La question est de savoir, est-ce que Bomberman 64, enfin Super Bomberman Air Online, je ne peux pas faire encore plus long comme nom, on continuera à l'appeler Bomberman 64, est-ce qu'il est aussi bien, voire mieux? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas de jugement dessus. Bon, on va se concentrer quand même sur la dernière partie de Pac-Man avant de changer de jeu. C'est fou parce que le Pac-Man classique d'origine, en vrai, je l'aime beaucoup aussi, mais pas autant que ça. À la limite, je préfère le Tetris, 4, Tetris tout court, pardon. Tetris tout court, ça oui. Mais en mode comme ça, là, en mode 99, en mode Battle Royale, entre guillemets, je préfère quand même Pac-Man. Non ! On l'a pas... Hein ? Voilà. Hein ? Bon. Alors. Allez, on y repart. J'ai un bonus de vitesse. Ok. Bah écoute, oui, je prends. Hein. Ça me fait toujours un bonus de vitesse. Perdu. Ça a frôlé le top 50, mais ça n'a pas suffi. Bon, c'est mieux que la mini partie rikiki de quelques secondes juste avant, quand même. Bien, on va passer à autre chose. Donc, YouTube, cordialement, bisous. Pensez à suivre Ivasan Studio un petit peu partout sur les réseaux, le Discord, etc. Twitch, on se retrouve dans un instant pour du Bomberman. Je mets pas de pause, on enchaîne. Je mets même juste un marqueur.